Bonjour tout le monde, bienvenue sur HCFR. On est de nouveau à la Gamescom, comme vous le savez très bien. Et aujourd'hui, attention, là on a la foule, je ne sais pas si vous l'entendez, là, c'est un environnement assez bruyant puisqu'on est sur l'Indie Booth. Donc aujourd'hui, on va vous parler de Rocky, un petit jeu qu'on a pu essayer, édité par United Label. Alors on ne vous cache pas qu'on a galéré, comme c'est pas permis, pour le trouver, puisqu'il était dans un stand qui n'était pas sur l'Indie Booth, même si on filme sur l'Indie Booth aujourd'hui. On a vraiment galéré, hein. Heureusement, on a eu une pause hot dog à l'intérieur qui était salutaire. Le développeur, du coup, Ali, l'un des membres de l'équipe, m'a téléphoné. On a pu enfin trouver que c'était dans un petit recoin de ce stand. On n'était pas paumé, hein, puisque même l'hôtesse ne savait pas. Alors néanmoins, on a quand même pu l'essayer tranquillement avec deux de ses créateurs. C'est un jeu scandinave qui est édité du coup par United Label, comme je disais, et un point and click. Voilà, un petit point and click au style particulier par des anciens d'ailleurs de la team de Killzone. Il y a l'un des créateurs qui a travaillé sur Killzone pendant longtemps. Donc c'est assez rigolo parce qu'on voit ce que ça donne, il n'y a aucune parenthèse, c'est vraiment le grand écart. On voit ce que ça donne, travailler longtemps sur Killzone, ça finit par faire des jeux mignons. Alors Benoît, parle-nous de ce jeu mignon, garanti, sans violence. C'est vrai, comme tu le précises d'entrée de jeu, il a bien insisté, enfin les développeurs ont vraiment insisté sur ce point. Ils voulaient faire un jeu en fait qui était zen, qui n'était pas prise de tête entre guillemets, et surtout un jeu non violent. Après avoir travaillé pendant des années sur Killzone, on peut comprendre en fait ce choix. On en a marre en fait d'avoir de l'hémoglobine un peu partout. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est, comme l'a dit Arthur, un point and click, mais pas un point and click à l'ancienne, en 2D et tout ça. Donc là c'est un truc en trois dimensions. On se balade donc avec le petit personnage, d'ailleurs je ne sais même plus si c'est une petite fille ou un petit garçon, en tout cas une jeune personne, dans un monde, on va dire, enneigé, en tout cas, la partie là, il y avait de la neige. Si je ne dis pas bêtise, il n'y aura pas que ce monde enneigé en fait dans le jeu. Il n'y aura pas que de la neige, effectivement, là, en discutant avec les développeurs, ils m'ont assuré du coup qu'il y avait d'autres zones, la montagne, de vastes forêts, des pics un peu plus élevés. Voilà, plusieurs environnements, ça c'est sûr. Alors peut-être explique-moi déjà quel était l'objectif de cette démo, qu'est-ce que tu devais faire, qu'est-ce que tu devais résoudre comme problème. Alors, comme dans tout bon point and click, le but c'est de ramasser des objets afin de réaliser en fait une action spécifique. Donc là, en se baladant un petit peu donc, dans cette forêt, on est arrivé dans une genre de, pas cathédrale, mais voilà, une église, une petite église, on va dire, un manoir. Et bien sûr, le manoir est fermé à clé. Bien sûr, il faut trouver quelque chose pour ouvrir la porte de ce manoir. Et on entend un petit peu des bruits, comme ça, on se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc là, on arrive sur un pont, et en bas du pont, on découvre en fait qu'il y a un troll. Mais bien sûr, c'est pas un troll méchant qui va vous sauter dessus et tout ça. On commence à discuter un petit peu avec lui et on apprend en fait qu'il est embêté parce qu'il y a les gens justement qui sont méchants avec lui et qui lui ont balancé des trucs. Et dans son dos, on voit qu'il y a des pics, des choses comme ça. Donc sur le moment, on essaye avec les objets qu'on a, de voir ce qu'on peut faire. Et bien sûr, on ne peut rien faire. Donc on avance un petit peu dans l'aventure, dans ce monde. Et on arrive en fait dans une cabane. On trouve 2-3 objets dont un pied jaloux, une corde, et aussi une épingle à nourrice, si je dis pas de bêtises. On retourne voir le troll en question. Le troll, on arrive en fait à combiner dans le menu donc la corde et aussi le pied jaloux. Bien sûr, on n'arrive pas à côté de lui en fait à s'agripper, donc on monte sur le pont. Sur le pont en fait, on balance donc le pied jaloux. D'ailleurs, ça a fait une petite animation un peu bizarre, mais bon, enfin ouais, ça a fonctionné. On arrive directement donc avec le pied jaloux à tirer avec la corde pour lui enlever en fait l'épée qui était plantée dans son dos. Et donc pour nous remercier en fait, il s'enlève, il nous laisse en fait accès à un passage qui nous permettait en fait d'accéder directement, on va dire, à un endroit, et qui nous permettait surtout d'utiliser cette fois-ci la petite épingle pour ouvrir la porte en question du manoir. Et c'est là que se terminait la démo, qui était d'ailleurs assez courte. Pour les besoins de la Gamescom, hein, c'est toujours assez court, enfin tout le monde puisse y jouer. Après moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, mais après comme pour les autres jeux, on n'a pas vraiment le temps en fait de s'y mettre, de vraiment d'apprécier en fait toutes les subtilités du gameplay, surtout l'histoire. Le plus important en fait dans un point and click, c'est l'histoire et toutes les combinaisons, tout. Après moi, d'un point de vue plus gameplay, j'ai trouvé ça assez facile. J'ai pas galéré en fait à trouver les objets, j'ai pas vraiment galéré en tout cas.
Justement, c'est ça qui était intéressant. Donc oui, ça va pas être un jeu, à mon avis, prise de tête. Ça va pas être des énigmes complètement insolubles où vous allez vouloir vous jeter par la fenêtre façon The Witness. Non, on n'est pas dans cette configuration-là. Je pense que c'est plus une vocation narrative, en fait, qu'ils ont voulu mettre en avant. D'ailleurs, c'était pas forcément un manoir, mais c'était une église, en fait, qu'ils avaient. Et ils ont, quand on discutait avec eux, ils disaient que c'était une église qui existait vraiment, dont ils s'étaient inspirés. Et donc, il y a tout un environnement comme ça qu'ils ont essayé de recréer de leur pays, en fait, un petit peu natal. Et il y a vraiment une idée de base qu'ils ont envie de mettre en avant, au-delà de la non-violence, c'est celle du monstre en tant que créature, mais qui a aussi une part d'humanité en fait en elle. Et c'était intéressant parce que d'ailleurs j'étais content parce que j'ai suggéré une idée au développeur d'ailleurs qui l'a noté sur son carnet, on dit qu'il la retrouverait. C'était le fait que le monstre en question, au départ même du niveau de l'étymologie, c'est pas forcément une bête effrayante, c'est juste quelque chose qui s'éloigne de l'homme. Il n'y a pas le côté forcément il va t'attaquer et tout ça. Et donc le jeu s'articulerait à chaque fois selon un monstre. Donc le troll que tu as aidé là en retirant son épée, tu risques de retrouver d'autres monstres plus grands, plus petits, qui ont des problèmes. Et ils seront peut-être des fois certains, peut-être qu'ils te feront un peu peur au début, mais c'est plus par incompréhension. Et sans vouloir vous spoiler, et ils ne voulaient pas me spoiler d'ailleurs non plus, ce serait un petit peu la clé de voûte du jeu sur le monstre et le rapport à l'humanité. Voilà. Donc on verra ce que ça donne, mais c'est un petit jeu en tout cas qui graphiquement est très sympa, et on verra après quelle est la teneur de tout ça le moment où il sort. Alors on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube, notre compte même Twitter, et allez nous voir sur le forum d'HCFR. Allez, ciao !